Merci, cher Jean-Dominique Sénard, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, mais c'est aussi un bonheur de vous accueillir sur cette scène pour engager un dialogue sans tabou sur l'entreprise en général, sur Renault en particulier, dont vous présidez le conseil d'administration depuis janvier 2019. Je rappelle qu'auparavant, vous étiez aux commandes de Michelin et que vous avez rejoint la marque aux losanges, alors dévastée par la tempête Carlos Ghosn. C'est un bonheur parce qu'avec vous, nous pouvons porter haut le débat sur l'exigence éthique, qu'il s'agisse de gouvernance, de management, d'investissement, de responsabilité ou de géopolitique. Aujourd'hui, à l'aune d'une planète sanitaire, économique, sociale et diplomatique bouleversée, d'une planète en sursis au plan du climat, des ressources naturelles et du vivant, d'une planète aussi qui se cherche un avenir, une communauté de destin et une civilisation réenchantée, eh bien l'entreprise est convoquée peut-être comme jamais. Elle est convoquée pour participer à la construction de ce dessein. Elle est convoquée pour ne plus détruire. Elle est convoquée pour donner aux travailleurs ce dont ils semblent manquer cruellement, du sens. C'est dans cet esprit que l'entreprise est invitée à bâtir autrement, à penser son ADN différemment. De tous les patrons, vous êtes l'un de ceux qui très tôt a manifesté le plus de sensibilité à cet enjeu. Et il n'est pas fortuit que vous ayez rédigé en 2018, avec l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, le rapport entreprise-objet d'intérêt général. Il viendra nourrir la loi Pacte un an plus tard, et en particulier pour les entreprises, éveiller chez elles l'exigence de connaître leur raison d'être. À propos de raison d'être, celle de Renault est, je cite, « de faire battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres ». Nous verrons ensemble si cela peut servir à réancrer durablement et à quelles conditions le groupe automobile dans une dynamique de croissance, et surtout, quelle croissance, réamorcée en 2021. Au premier semestre, le groupe affichait 368 millions d'euros de bénéfices nets contre une perte nette de 7,3 milliards sur la même période en 2020. En préambule, je vous propose d'écouter la linguiste Julie Neveu. Elle va nous donner quelques pistes sur le sens du verbe « bâtir ». Alors à propos de bâtir, ce qui est paradoxal, c'est que le sens qu'on a le plus souvent, le plus communément à l'esprit, c'est le sens de bâtir au sens de bâtiment, donc une construction durable avec des matériaux solides. Et en effet, il y a une des étymologies possibles, mais assez peu probables, de bâtir, qui serait la base. Donc c'est la base. Mais en fait, si on réfléchit, et d'ailleurs l'exploration du champ sémantique de bâtir nous le montre, il y a d'autres sens plus intéressants, je pense, qui sont en fait... le bâti qu'on a en couture. Parce que le mot bâtir, c'est un des rares mots du français qui nous vient du francique, cette langue qui était parlée par les Francs jusqu'au 8e siècle à peu près. Et en francique, c'était bastian qui voulait dire, en fait, rapiécer, enfin, faire de la couture, comme on entend d'ailleurs aujourd'hui encore le bâti. Le bâti, c'est, vous savez, la première version d'un habit qu'on a cousu à large trait avec une aiguille. Et d'ailleurs, le fil même est appelé bâti aujourd'hui dans le domaine de la couture. Enfin, du coup, on peut considérer que le bâtir, c'est aussi peut-être poser les bases, mais c'est aussi avoir l'humilité parfois de rapiécer, de faire tenir ensemble des éléments disparates. Monsieur Sénard, je vous fais réagir immédiatement. Vous êtes dans la peau d'un couturier ? Écoutez, j'ai impressionné par ce que je viens d'entendre, parce qu'effectivement, ça m'a rappelé des choses que j'aurais dû savoir. Vous savez, bâtir... je crois qu'on peut effectivement décliner cela sur tous les angles, mais peut-être ce qui vient à l'esprit comme ça, presque naturellement, c'est le fait qu'on recherche tout de même, de toute façon, quoi qu'il en soit, quelque chose de positif. C'est-à-dire bâtir, c'est pour moi imaginer que ce que l'on bâtit va amener une forme de valeur d'une certaine manière et pas simplement monétaire, c'est pas le sujet. Mais qui soit transmissible. Peut-être aussi, l'autre aspect qui me vient en tête, c'est le côté collectif. Je crois, si on regarde un tout petit peu l'histoire, les grands bâtisseurs, quels que soient les domaines dans lesquels ils sont intervenus, n'étaient jamais vraiment seuls. En tout cas, ce n'est pas ma conception de l'idée. Et puis, au-delà de cette question-là, évidemment, quand même... il y a l'aspect pérenne de ce que l'on bâtit
Alors peut-être que c'est une conception trop restrictive, mais en tous les cas, c'est celle que je vous livre. Je crois que la question de positive, la question du collectif et la question de la pérennité, au fond, déjà si on a ces trois aspects-là, on peut peut-être se dire qu'on a bâti quelque chose. Voilà. Ce matin, avec Priscille, Déborah et Pascal Pic, nous avons vu que innover ne peut aspirer à devenir progrès que s'il embrasse un certain nombre de critères, ceux qu'Axel Kahn avait résumés à l'éthique du progrès et à une question, l'innovation que je développe a-t-elle du sens et sert-elle équitablement l'intérêt durable du plus grand nombre? En l'occurrence, l'innovation que développe aujourd'hui Renault sert-elle l'intérêt de toutes les parties prenantes, équitablement, l'intérêt du territoire et puis l'intérêt de la planète? C'est une vaste question que vous posez là. Je crois que vous posez directement le sujet de l'éthique et de l'innovation. Au passage, si je peux me permettre, j'ai assisté à la dernière réunion de ce matin. J'en ai retiré une émotion profonde. Je ne vous cache pas, et je crois que le début de la matinée l'était tout autant. C'est assez impressionnant. Au point que ce que je risque de vous dire là va paraître dérisoire par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, je vous assure, c'est impressionnant. Si on met en regard l'innovation, l'éthique, on peut, je pense, assez facilement proposer une dissertation de philosophie à des étudiants qui sont sûrement là, en vous donnant 4 heures pour rédiger et rendre vos copies à la fin. Je pense que l'exercice reste compliqué. J'ai gardé en tête cette phrase de Rabelais que vous connaissez sûrement, qui disait que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Au fond, si vous remplacez science par innovation, je pense qu'il y a matière à discuter du sujet. Si l'innovation est là pour contraindre, pour dominer, pour rendre plus difficile la vie de ceux qui nous entourent, elle doit être rejetée absolument. Et ce que je vous dis là est peut-être assez simple, mais enfin, on a autour de nous, dans le monde aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, bien des exemples où l'innovation conduit à des drames humains. On est quand même capable aujourd'hui de mettre tout un grand pays sous surveillance digitale, au point de pouvoir créer un univers carcéral virtuel intéressant. Je pense que si on a toutes ces choses-là en tête, il faut quand même l'avoir, je dirais, dans l'esprit. Voyez-vous, j'ai toujours été étonné, et c'était finalement plutôt une bonne nouvelle, lorsque l'intelligence artificielle a fait ses premiers pas. Comme chef d'entreprise, forcément, on se pose la question de tout ce que ça peut apporter dans l'entreprise et de l'impact à la fois social et technologique. Et je me souviens, à l'époque, j'étais à l'époque patron de Michelin, j'avais interviewé en Auvergne des dirigeants, si je puis dire, qui avaient aidé au concept de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire en quelque sorte des fondateurs du concept et ceux qui avaient commencé à le faire s'épanouir. Ils étaient américains souvent, mais pas que. Et je me souviens, après m'avoir expliqué tout le bien qu'il fallait penser de cette innovation et de l'évolution, cette forme de candeur à la fin de la discussion où finalement on me disait, vous savez, nous-mêmes, il nous arrive de nous interroger sur le bien fondé de ce que nous avons créé. Il y avait cette conscience qu'il y avait un risque, qu'au bout du bout, l'éthique ne soit pas au rendez-vous. Ça m'avait toujours frappé, au moins cette forme d'humilité m'avait séduite, et ça veut dire simplement une chose, c'est qu'il est hors de question d'imaginer l'innovation sans mettre l'humain au centre, ce qui peut peut-être paraître facile à dire, mais qui n'est pas facile à faire. Et dans mon idée, et je crois que les équipes qui m'entouraient partageaient cela, on a toujours essayé de faire que ce soit la personne qui demande à la technologie ce qu'elle doit faire et non pas l'inverse. Là aussi, ça paraît simple, mais ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. Ça me permet de faire la transition directement, vous évoquez le bien fondé, de faire la transition avec la raison d'être des entreprises dont vous êtes à l'origine. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres, je disais tout à l'heure, et vous ajoutez, la raison d'être, c'est à la fois les racines et l'étoile polaire de l'entreprise.
les racines qui donnent sa stabilité et sa profondeur à l'entreprise, et l'étoile polaire, ce futur désirable vers lequel convergent toutes les énergies. Concrètement, comment cette raison d'être se matérialise-t-elle dans les faits, que l'on parle de stratégie, de management ou de gouvernance ? Merci de me rappeler ce joli mot qui, il y a quelques années, dans notre pays, a été relativement peu utilisé, sauf de façon occasionnelle, sans vraiment y prêter beaucoup d'attention. C'est un mot qui, effectivement, détonne. J'ai le souvenir, vous avez rappelé la période où j'avais l'honneur de rédiger avec Nicole Notta ce rapport sur le rôle de l'entreprise. Lorsque les plus grands juristes de France se penchaient sur cette notion, il fallait bien la leur présenter, ils étaient pour le moins perplexes, on va dire, les choses comme ça. Et pour ceux qui aiment le droit parmi vous, j'aime autant vous dire que j'ai eu à ce moment-là les périodes les plus délicieuses de réflexion juridique autour du terme de raison d'être qui est absolument, je dirais, encadrable dans un cadre juridique. Tout ça pour dire que c'est au cœur de tout. Alors, vous l'avez dit, j'ai évoqué que c'était effectivement l'élément qui allait plonger dans les racines de l'entreprise, son histoire, son ADN, comme on dit aujourd'hui, et puis en même temps, c'est son étoile polaire, c'est-à-dire ce quoi vers elle doit tendre. Et cette combinaison fait que la raison d'être permet à une entreprise ou permet d'être très, je dirais, clair dans la distinction de ce qui la caractérise. Et ce n'est pas un exercice facile de réfléchir à la raison d'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire instantanément en une semaine avec l'aide de quelques esprits. C'est un travail de fond qui peut prendre jusqu'à un an ou deux. Celle de Michelin que j'avais, je dirais, portée, si je puis dire, avec mon équipe bien avant la rédaction de ce rapport, avait quand même pris 3 ans pour être, comment dirais-je, qualifié, valable, et puis, je dirais, rendu public. Celle de Renault nous aura pris 1 an et demi. Mais voyez-vous, ça veut dire que c'est un sujet que l'entreprise elle-même, dans le fond, va générer. C'est un travail collectif. Et la phrase que vous avez évoquée, à la fin des fins, finalement traduit quand même exactement ce qu'est l'entreprise. Ce que vous avez dit là, nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres, si vous prenez les mots les uns après les autres, c'est tout Renault. Tout Renault s'y retrouve. Et alors, là où c'est fondamental, c'est que ce n'est pas tellement le fait d'avoir rédigé cette phrase qui synthétise quelques lignes dans lesquelles, naturellement, on rappelle nos valeurs de liberté, je dirais, d'épanouissement, je dirais, d'inclusivité. Oui, bien sûr, c'est un exercice littéraire. Sauf qu'il est terriblement obligeant. Cette phrase nous oblige du matin jusqu'au soir. Elle est au cœur de la stratégie. Inutile de vous dire que la raison d'être, ce n'est pas simplement un socle, ce n'est pas simplement une base dans laquelle tout le monde se retrouve, dont tout le monde est fier, mais c'est ce qui constitue fondamentalement la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à partir de la raison d'être, qui est un peu comme un préambule de constitution, vous générez la stratégie de l'entreprise sous tous ses plans. Que ce soit sur le plan technologique, commercial, etc., et aussi sur le plan humain, qui est juste fondamental. Et voilà pourquoi, au fond, cette raison d'être est devenue centrale dans notre vie. Pardonnez-moi si je vous amène sur un terrain de manière un peu plus brutale, le terrain des réalités et des écarts entre les discours et les actes. Il y a 3 jours, l'ONG Reclaim Finance publiait son rapport sur l'exploitation pétro-gazière dans l'Arctique, qui est une véritable dévastation environnementale. Certains même évoquent un écocide. BNP Paribas figure au 7e rang du classement international des banques les plus impliquées dans le financement. Et AXA assure 535 des 599 champs de forage. La raison d'être de BNP Paribas, c'est contribuer à une économie responsable et durable. Et celle d'AXA, c'est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter ces 2 cas de duplicité en particulier, bien sûr, mais de répondre sur un plan plus général. Vous qui êtes à l'origine de cette raison d'être des entreprises, faites-vous le constat, vous aussi, d'écarts parfois abyssaux. On voit des raisons d'être creuses, aseptisées par les contraintes juridiques. Hein, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, c'était compliqué. On voit des vecteurs de greenwashing. À quoi faut-il s'attendre
demain, après-demain, sur la concrétisation de ce qui nous oblige, comme vous dites très bien. Vous savez, et je ne vais certainement pas commenter les deux cas que vous avez évoqués, parce que quand on ne vit pas dans l'entreprise et qu'on ne voit pas son évolution, on peut dire à peu près n'importe quoi. Pour tout vous dire, j'ai une assez grande confiance dans les dirigeants de ces deux entreprises que je connais bien, et je peux vous dire très sincèrement qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent où ils vont. Seulement, parfois, ça prend un certain temps. Il faut savoir aussi intégrer la notion de transition. Nous sommes dans une transition, et il arrive que la transition, ça prenne un peu de temps. Et d'ailleurs, on aura l'occasion peut-être de revenir sur certains sujets où, lorsque la transition est bâclée, ça ne se termine pas toujours très bien. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut, là aussi, prendre un peu de recul et ne pas juger trop sur un constat qui est une photo, mais qui n'est pas forcément une dynamique. Et je vous assure que je pense sincèrement ce que je vous dis. Après, oui, il y aura toujours... parce que finalement, c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de raison d'être, quand on parle de rôle de l'entreprise, du rôle des dirigeants, de la responsabilisation de tous, c'est une bonne nouvelle, au fond, que tout ceci soit sur la table. Vous m'en parlez aujourd'hui. Vous ne m'en auriez pas parlé il y a 5 ans. Et ça veut dire, au fond, qu'il y aura toujours des écarts. Il y aura toujours des gens qui, peut-être, se disent que c'est une obligation, que ça fait bien dans le décor, qu'il faut bien justifier quelque chose. Ça me rappelle, vous avez ces entreprises nord-américaines en particulier, que j'ai bien connues dans ma vie professionnelle, où on affichait les valeurs partout, vous savez, dans tous les couloirs, même dans les endroits les plus intimes. Et puis, en réalité, c'était du vent. Il ne se passait rien. C'était comme si on faisait une espèce de justification, cosmétique. Ça arrivera toujours. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que je crois qu'on est sur un chemin de non-retour. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, je sens un mouvement profond qui se passe dans notre pays et un peu autour de nous, où justement cette notion de raison d'être, de sens, commence à prendre un poids absolument légitime. Vous savez, même s'il y a quelques écarts, ces écarts ne dureront pas longtemps. Vous avez évoqué ce matin, et on l'évoquera plein de fois, le rôle du digital, de la révolution numérique. Alors, elle a quelques défauts, cette révolution numérique, on le sait, bien des inconvénients, mais elle a quelques avantages. Et parmi les avantages, elle a, je dirais, la capacité de forcer la transparence qu'on n'a jamais connue avant. Et je sais très bien aujourd'hui qu'on ne peut plus tricher. C'est-à-dire que si vous avez une raison d'être, et que vous la déployez, et que les équipes qui vous entourent le sentent, non seulement dans la stratégie que vous mettez en œuvre, mais à la façon dont vous traitez les gens en intérieur dans l'entreprise, qu'il soit une cohérence absolue. Vous savez, je dis souvent, il faut être absolument cohérent entre le traitement que l'on peut réserver à ses clients et au monde de la technologie, et le traitement que l'on réserve à ses collaborateurs. Alors les technocrates vous expliqueront, ça s'appelle la symétrie des attentions, mais enfin ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on doit porter la même attention à vos collaborateurs, à nos collaborateurs, à leur épanouissement, à leur avenir, que l'on apporte à nos clients dans les produits et services qu'on leur vend. Pour moi c'est juste fondamental. Ceci ne vous permet pas de tricher. Je vous le dis, si vous commencez à avoir un comportement déviant par rapport à ce que vous écrivez, on va vous juger très vite. Et il y a tout un tas de réseaux sociaux, les étudiants qui sont ici connaissent ça par cœur, où si vous allez voir un peu, on vous juge très clairement, on vous dit que vous êtes totalement incapable de tenir votre parole, et ça entraîne des dialogues absolument fascinants, où finalement vous, comme chef d'entreprise, vous êtes immédiatement mis en accusation. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, le chemin, il est incontournable, et je pense que maintenant, la voie est tracée. Je retiens de votre propos que la cohérence est vraiment la clé de voûte, en fait, de l'appropriation. Je pense beaucoup aux jeunes, qui sont très sensibles, justement, à la cohérence et à l'incohérence entre les discours et les actes. Mais pour tout vous dire, de rien. Pour tout vous dire, les jeunes le sont, mais pas que eux. Bien sûr. Les moins jeunes aussi, croyez-moi. Et je pense que dans cette salle, nous avons des représentants de toutes les générations, et je suis sûr qu'elles me comprennent. On a peut-être souffert pendant longtemps de cette absence de sens, mais on ne disait pas, ou au moins on subissait.
Mais là, maintenant, ça n'est plus possible. C'est tout simplement plus possible. Pardonnez-moi, vous qui avez justement évolué aux commandes de grands groupes depuis quelques dizaines d'années, vous avez vu évoluer à la fois cette crise de sens, cet appétit de sens, la manière aussi de répondre ou de ne pas pouvoir répondre justement à cette attente. Comment ça a évolué finalement ? Ça a évolué, j'allais dire, de façon assez sensible à partir des années 2000, je dirais. Avant, c'était, j'allais dire, un peu un débat caché. Et à partir des années 2000, l'arrivée d'Internet et donc l'ouverture des réseaux, ça s'est déployé de façon beaucoup plus importante. Et je crois que c'était plus une bonne nouvelle. Je me souviens quand, il y a quelques années, je recevais les jeunes qui rentraient dans l'entreprise. J'avais en face de moi un peu un mur de silence. Des gens un peu impressionnés, des jeunes qui n'osaient pas s'exprimer, etc. 15 ans après, le monde avait basculé. C'était, j'allais dire, non pas la foire d'empoigne, mais c'était à celui qui parlait le plus et qui allait des choses à dire et qui a des choses à vous dire, y compris vous étant le patron, et puis sans aucune espèce de timidité. Ce qui d'ailleurs me fascinait, moi, parce que quand j'étais jeune, à leur place, j'étais crispé de timidité. Et donc j'ai vu ce changement se faire. Et cette conscience qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas traiter les gens n'importe comment, et que si on n'attache pas autant d'importance aux facteurs humains dans l'entreprise, c'était la même chose pour l'innovation dont je parlais tout à l'heure, ça en fait partie. Eh bien, vous êtes tranquille, que vous êtes rejeté, et que ça se termine très mal. Et alors, une chose qui m'intéresse dans ce que nous disons là, c'est que la raison d'être, ce n'est pas juste, encore une fois, un fronton. Ce n'est pas simplement, et c'est pourtant déjà énorme, la tête de pont de votre stratégie. Mais quand vous la faites vivre, quand vous vivez avec vos collaborateurs et que vous allez les rencontrer sur ce sujet, c'est ce que je fais en ce moment chez Renault. Je le fais beaucoup, je rencontre des groupes de personnes dans les usines ou dans les sièges, et nous parlons de quoi ? Nous parlons de ça. Ceci entraîne des débats absolument incroyables, qui n'avaient jamais lieu avant. Jamais. Et je ne parle pas que de Renault. C'est vrai pour toutes les entreprises. C'est là que vous vous rendez compte que cette soif de sens, elle se traduit par une incroyable attention au sujet dont on parle. Il y a là, et ça fait plaisir à voir, si vous voulez, un lieu d'ouverture, un lieu de souffle qui passe, qui dépasse largement tout ce que je racontais tout à l'heure. Dans la loi Pacte et dans la raison d'être, c'est une fusée à plusieurs étages, et le deuxième étage, on pourrait l'appeler l'entreprise à mission. Alors, c'est un statut qui peine encore à s'imposer, même si on le voit quand même se développer dans les TPE, les PME. Une seule, à ma connaissance, très grande entreprise a fait le choix de s'en doter, c'est Danone. Les conditions, les raisons qui ont conduit à l'éviction brutale du PDG Emmanuel Faber disent-elles que finalement, il est peut-être trop tôt de pouvoir fondre les statuts de l'entreprise à mission dans ce qu'est le capitalisme contemporain ? Est-ce qu'on est allé un petit peu trop vite ? Qu'est-ce que ça nous dit finalement ? Je suis beaucoup plus optimiste que vous, et je vais vous dire pourquoi. Lorsque Danone a pris la décision d'intégrer dans ses statuts sa raison d'être, ce qui est une décision tout à fait responsable, elle a été suivie par 99% de ses actionnaires, ce qui est quand même quelque chose pour une boîte totalement internationale. Elle avait jugé, c'était son droit, que c'était le bon moment, et sa mission était suffisamment forte et partagée dans l'entreprise pour que ce soit totalement soutenu par l'interne de l'entreprise. Et donc cette conjonction de facteurs a fait que, en effet, Danone est devenue une entreprise à mission. Alors, les circonstances que vous évoquez, qu'on évoque souvent aujourd'hui pour dire, mais finalement, tout ça, ça n'a pas de sens, la preuve. Je suis juste un petit peu plus prudent, parce que là, encore une fois, il faut vivre dans l'entreprise pour se rendre compte exactement du sujet, et donc c'est difficile de faire un commentaire purement extérieur. J'ai un immense respect pour Emmanuel Faber, je le connais bien depuis des années. Mais je ne peux pas me mettre à la place de la gouvernance d'une entreprise. Ce qui compte à la fin, c'est que ce qu'a fait Emmanuel Faber est totalement respecté. Et que c'est là que le jugement de l'histoire se fera, pas maintenant. Personne n'a mis en cause, en quoi que ce soit, le statut qu'Emmanuel Faber a créé. Personne. Ou je n'ai jamais entendu parler. Même sa stratégie a été en quelque sorte déployée. Donc la question, heureusement, de ce point de vue-là, ne se pose pas, car c'est l'histoire qui jugera.
Alors, il est vrai que dans la perturbation du gouvernance de Danone, un des fonds qui a cherché à œuvrer était, je crois, un des très rares fonds qui a voté contre. Bien. Mais ceci était suffisamment marginal pour ne pas modifier le propos que je viens de tenir. Donc, même là, au-delà des personnes, au-delà de ce qu'on peut laisser dans l'histoire, dans son passé, etc., le mouvement de fond est en cours. Et je crois qu'il ne reviendra pas en arrière. Il y a un terme dont on entend beaucoup parler depuis longtemps déjà, mais quelque part de plus en plus. Aujourd'hui, c'est le terme, c'est la notion de capitalisme responsable. Pour certains, c'est un oxymore. Pour d'autres, au contraire, c'est vraiment, c'est un vœu qui est réalisable. Je vous pose une question simple. D'abord, croyez-vous que ce soit vraiment réalisable? Et secondo, on va prendre quelques exemples très contemporains, parce qu'on les vit depuis la crise de Covid. On voit des entreprises, notamment du numérique, des data, du luxe, même des banques, atteindre des niveaux de profitabilité absolument inédits. Tout ça malgré ou grâce à une crise pandémique qui a tué, qui a dévasté, qui a anéanti. Est-ce que vous ne vous dites pas à ce moment-là, finalement, ce vœu de capitalisme responsable, ben, l'actualité me démontre que c'est une chimère plus qu'une possibilité? Alors, je ne veux pas y croire. Au contraire, je suis extrêmement engagé dans cette idée qu'on peut créer un capitalisme responsable et que celui-ci va s'imposer comme étant la seule voie possible de la raison. Parler de profits exceptionnels, oui, c'est vrai, peuvent paraître parfois excessifs. La seule question est de savoir comment ils sont employés après, on ne va pas rentrer dans ces débats. On a vu des abus, on a vu toutes sortes de choses. Mais je crois que c'est intéressant, si vous me donnez juste 2 minutes pour raconter l'histoire. Le capitalisme, on lui fait porter aujourd'hui des tas de responsabilités et on se dit que parfois il est à l'origine de bien des maux. Mais enfin, tout de même, dans la durée, il faut quand même avoir en tête que le capitalisme a plutôt, globalement, contribué à améliorer la prospérité de beaucoup de monde. Et dans les sociétés, les classes moyennes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Inde ou en Chine, elles sont en train de grandir sous une forme de capitalisme qui les a plutôt fait épanouir. L'accès à la santé, on a eu des beaux exemples, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, etc. Passons. Je ne peux pas faire porter au capitalisme tous les problèmes du monde. D'ailleurs, en plus, il y a eu plein de capitalisme dans l'histoire. Le capitalisme marchand au XVIe siècle, XVIIe, le capitalisme industriel au XIXe, le capitalisme financier. Ah, justement, le capitalisme financier. Nous y voilà. Depuis 1970, ou à peu près, il s'est développé un mouvement assez fort qui a été porté essentiellement, il faut le dire, par le capitalisme anglo-saxon. Tout ça à l'issue de thèses de Milton Friedman, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui ont été parfois caricaturées, mais qui ont porté, à travers l'aspect politique des choses, on pense à Reagan, on pense à Madame Thatcher, etc., une forme de corps de doctrine anglo-saxonne qui a eu tendance à dire que l'entreprise est là pour faire des profits et que c'est sa seule raison d'être. Le reste, puisqu'elle paye des impôts, c'est pour les autres, c'est-à-dire pour l'État et pour la société. Et voilà que ce capitalisme-là, je vous le dis sincèrement, a fait d'assez grands dégâts. Il a provoqué, d'une certaine manière, avec le temps, dans ces 30 dernières années, rappelez-vous, après le mur de Berlin, tout le monde croyait que le capitalisme était triomphant, il n'y avait plus qu'à continuer. Ça y est, on avait trouvé la clé de l'histoire. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce capitalisme un peu financier, qui privilégiait plutôt le court terme au long terme, le profit à toute autre chose, a laissé des traces. J'allais dire que le point d'orgue, ça a été la crise que vous avez tous connue en 2010-2011, qui était une crise financière majeure, qui était simplement le reflet de dérives du capitalisme. Et on pourrait citer tous les exemples, vous les connaissez, vous les avez en tête. Ça a été le point d'orgue. Les réflexions après sont intervenues en disant que ce n'est plus possible. Que ça continue comme ça, et vous avez bien vu, sous vos yeux, se déroulaient des mouvements relativement agressifs, qu'on appelle populistes,
Vous avez entendu parler de protectionnisme, vous avez entendu parler de nationalisme, vous avez entendu parler encore une fois de populisme sous toutes ses formes. On en a eu en France de beaux exemples qui sont venus en fait illustrer le fait que le capitalisme était en quelque sorte rejeté sous sa forme telle que je la décris, où les gens avaient le sentiment de ne pas participer à la même communauté de destin, ce que je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ceux qui avaient, ceux qui n'avaient pas, ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, ceux qui avaient profité de la mondialisation, ceux qui n'en avaient pas profité. Et la rupture, avec parfois des inégalités profondes, choquantes, crée cette atmosphère que nous connaissons dans nos sociétés occidentales, mais pas que. Vous savez, il y a eu des caricatures. En effet, je crois qu'il faut avoir en tête que les 50 personnes les plus fortunées aux États-Unis sont plus fortunées que les 162 millions des plus pauvres. Quand on entend ça, Patrick Artus qui raconte ça dans son livre, c'est pas moi, c'est un choc. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Ayons en tête quand même qu'aujourd'hui, même l'OCDE, qui est un organisme effectivement très très sérieux, indique qu'il n'y a pas loin de 15% de la population en Europe, dans les pays de l'OCDE, qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, et qui sont complètement livrés à eux-mêmes. En France, c'est pas beaucoup mieux. Et je veux dire, le chômage des jeunes, on est à peu près à 19%, nous donne à peu près l'indication de ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà, le point, c'est qu'il y a eu ces abus, il y a eu ces dérives, et il y a eu la conséquence de ce que je vous dis, c'est-à-dire une forme de rejet du capitalisme dans sa version la plus financière. Voilà pourquoi je pense que maintenant, quand on parle de capitalisme responsable, et je suis le premier à porter ce mot, parce que finalement, c'est le plus facile à porter, est un capitalisme où doit revenir aux sources, qui ne doit certainement pas remettre le libéralisme en cause, mais qui doit être rassurant, qui doit être fédérateur. Il s'agit de dire très simplement que l'entreprise est là pour faire des profits. Oui, ça n'est pas un gros mot, et je continuerai à le dire, parce que de toute façon, à l'évidence, sinon elle disparaît. Mais pas que. Et que l'entreprise est là aussi pour prendre en compte, en considération, l'impact social et sociétal et environnemental de ses activités. Ce petit bout de phrase qui a provoqué des réactions invraisemblables au moment de la rédaction du rapport avec Nicole Notta, qui a finalement été modifié à un article du Code civil qui n'avait pas été modifié depuis 1804. Ce petit bout de phrase résume tout. Tout le reste, vous comprenez ce qu'est le capitalisme responsable. C'est-à-dire un capitalisme où on n'est pas en train de simplement de faire un accompagnement moral du capitalisme financier pour se faire plaisir ou prendre bonne conscience. C'est quelque chose qui doit nous amener à la prospérité de tous, mais en étant capable de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Ah, vous allez me dire la belle parole. Oui, mais c'est ça le bien commun. C'est ça l'intérêt général. C'est à ça qu'on va. Ça signifie à ce moment-là que l'entreprise doit être considérée comme une société à responsabilité illimitée, ou pas ? Pour moi, pardonnez-moi, pourquoi je vous pose la question, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus cloisonner nos identités. Oui. Vous êtes citoyen, père de famille, président de Renault. Oui. Vous regardez le monde, l'état du monde, d'une manière unique. Oui. Et justement, se pose la question de savoir si l'entreprise, avec un E majuscule, bien sûr, doit justement aller vers une conception illimitée de sa responsabilité. Alors, une façon de vous répondre sur ces questions de illimité, c'est de dire que l'entreprise est une institution politique. Quand je dis ça, je parle de notion politique au sens de cœur de la cité. On ne peut plus se considérer comme simplement une individualité dans laquelle travaillent un certain nombre de personnes, qu'on appelle les parties prenantes, simplement les actionnaires et les salariés, voilà. Non. On est totalement responsable par rapport à notre environnement. Et quand j'écrivais avec Nicole Notta cette notion de partie prenante, on visait clairement le monde entier au sens de ce qui peut avoir comme impact sur l'entreprise. Oui, vous avez les actionnaires et les salariés qui sont les parties prenantes structurantes de l'entreprise. Elles doivent être traitées de la même manière. Mais il y a tout le reste. Il y a les États, les territoires, les clients, les fournisseurs, les ONG, les médias, toutes les parties prenantes. Les parties prenantes. Tout ce monde-là participe d'un écosystème dans lequel l'entreprise est plongée, et sa responsabilité, c'est de faire vivre cet écosystème
en fonction de la petite phrase dont je vous parlais tout à l'heure. L'entreprise a une responsabilité aussi d'ordre géopolitique. Je vais prendre un cas très concret qui concerne Renault. Tout à l'heure, vous évoquiez les dérives de pouvoir digital. Vous parliez d'environnement carcéral. Je ne sais pas à quel pays vous faisiez allusion. En tout cas, moi, je vais parler de la Chine. Renault a relancé un partenariat en Chine avec le leader Geely. Quand vous voyez l'état des libertés en Chine, quand vous voyez la manière dont la Chine se conduit avec la minorité ouïghour, quand vous voyez justement ce cadre carcéral que Xi Jinping est en train de mettre en œuvre, vous dites-vous, mince, notre responsabilité chez Renault est-elle justement de nouer ce partenariat en Chine ? Vous posez la question la plus sensible pour une entreprise comme la nôtre, mais je vais vous répondre très simplement. La question n'est pas de se dire est-ce qu'il faut ou non aller en Chine. Parce que la réalité, pour une société automobile, ne pas y être signifie tout simplement ne pas être dans le plus grand marché de la mobilité des dernières années et qui sera probablement, sur les 15, 20, 30 ans qui viennent, le premier marché mondial de l'automobile. C'est une responsabilité que de ne pas y être. Vous pourriez trouver tout un tas d'autres pays dans lesquels on a ce genre de situation, où parfois même nous avons même des éléments de production. Quand je dis que l'entreprise peut y aller, elle ne peut y aller qu'avec sa raison d'être. C'est-à-dire que si nous pouvons servir de rayonnement, là où nous sommes, d'éléments d'influence, de conviction, eh bien pourquoi s'en priver ? La limite, c'est bien entendu la ligne jaune de nos convictions. Je dis souvent aux étudiants que je rencontre en ce moment, souvent quand je peux, je passe du temps avec eux parce qu'ils sont quand même l'avenir de notre pays. Je leur dis, il y a une chose qu'il faut absolument essayer de faire dans votre vie, et votre vie professionnelle en particulier, c'est ne jamais franchir la ligne jaune de vos convictions. C'est très difficile. Je dis essayez, parce que le jour où on ne le fait pas, on le regrette toute sa vie. Et donc, comme chef d'entreprise, si j'avais conscience que, pour une raison ou pour une autre, nos équipes, etc., étaient confrontées à des situations indicibles, dans lesquelles ils seraient eux-mêmes dans l'obligation de renoncer à ce qu'ils sont, alors à ce moment-là, mon rôle serait d'intervenir pour interrompre l'aventure. Mais tant que c'est possible et tant que nous pouvons influencer positivement ces difficiles environnements, je considère que c'est notre devoir et notre responsabilité d'y aller et de porter la parole. Tout à l'heure, après nous, Renaud Van Ruymbeek et Nathalie Roret débattront de la signification être juste. Être juste, ça veut dire quoi ? Alors cette question dépasse bien sûr totalement le champ de l'institution judiciaire. On évoquait capitalisme responsable. Certains même évoquent un capitalisme juste. Je ne sais pas si c'est possible. Quand on parle éventail des rémunérations, gouvernance, démocratie d'entreprise, considération des parties prenantes, à vos yeux, ça veut dire quoi être juste ? Et est-ce qu'il est là aussi possible de croire que l'entreprise peut être juste ? Je crois qu'il ne faut pas être béat et d'être dans le rêve complet. On n'est pas dans un monde facile, pas dans un monde de bisounours, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, être dans une position consistant à dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Candide, ce serait absurde. Mais je crois que l'on peut tendre vers ça. Parce que la question de justice en matière d'économie, d'entreprise, n'est pas très facile à définir. Je préfère d'ailleurs d'une certaine manière le mot d'équité. Mais enfin bon, c'est un vaste débat. Je crois que la question de peut-on être juste ou non peut trouver une réponse positive dans la mesure où les dirigeants des entreprises portés par leurs équipes, trouvent le juste milieu. Chaque fois, entre les nécessités du court terme, qui sont, croyez-moi, assez ardues, et la nécessité de la vision à long terme, en essayant de jamais contredire l'une par rapport à l'autre. Ma réponse est peut-être un petit peu biaisée par rapport à votre question, et je suis sûr que le juge Van Ruymbeek répondra mieux que moi. Mais de mon point de vue, de mon balcon, si je puis dire, c'est cet équilibre permanent entre le court et le long terme, entre les exigences que j'ai décrites tout à l'heure de la raison d'être de l'entreprise et son avenir, que se situe la question du juste.
d'une manière générale dans le comportement humain, puisque finalement pour moi c'est de façon concrète là où ça se passe, c'est l'équité qui compte, c'est devant le doute s'abstenir, ne jamais juger avant de savoir les faits, avoir en permanence cette espèce de conviction profonde que l'humain est au cœur et qu'il n'est pas forcément au plus mauvais, et essayer de s'en tenir au grand principe de ne jamais franchir la ligne jaune de ses convictions. À partir de là, on doit pouvoir y arriver. Et croyez-moi, quand je parle de responsabilité, je sais ce que je veux dire. Si pour certains d'entre vous ont encore l'occasion de lire ce petit rapport qu'on a écrit il y a 3 ans, qui finalement est encore bien d'actualité, vous verrez que c'est un hymne à la responsabilisation de l'entreprise. C'est un hymne à la responsabilisation des dirigeants. C'est clair, c'est pas autre chose. Et donc nous portons nous-mêmes une responsabilité vis-à-vis de notre monde extérieur, qu'il soit économique, politique ou social, considérable. Alors à propos de responsabilité vis-à-vis justement du monde extérieur et de la planète, se pose la question de la croissance. On vit aujourd'hui à l'ère de l'obsession, l'obsession de performance, l'obsession de productivité, l'obsession de toujours plus, l'obsession extractive de la ressource humaine. On en parlait ce matin avec Joanne Chapoutot. Cette obsession de toujours plus, c'est-à-dire la marque de fabrique de Carlos Ghosn, est-il possible, selon vous, et est-il souhaitable de renoncer à cette obsession de la croissance ? Je crois qu'il faut raison garder dans cette histoire. Pour moi, j'espère que je ne choquerai personne dans cette salle, renoncer à la croissance, c'est nous préparer à un avenir bien incertain. Je veux dire, il faut tout de même avoir conscience que nous serons bientôt 10 milliards d'habitants sur cette Terre et que je ne sais pas comment une décroissance permettrait, puisque vous parlez de quantité, de volume, etc., permettrait... Pas forcément de décroissance, je parlais aussi d'une autre croissance. Alors, c'est là où j'y viens. Très différent. Mais c'est là où j'y viens. Je vois M. Trépigne au premier rang, je me donnais le temps d'expliquer. La décroissance en tant que telle, je vous le dis, tout ça, je vous le dis franchement, je pense que ce n'est pas une solution pour notre planète. En revanche, la manière dont cette croissance se fera est juste fondamentale. Et là, vous touchez tous les sujets que nous connaissons bien, qui sont aujourd'hui de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et si je l'ai écrit moi-même, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de très très fort derrière. Cette croissance-là est parfaitement audible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la croissance est intenable ? C'est parce que si effectivement nous continuons à ce rythme-là avec l'exploitation des ressources naturelles que nous avons aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le coup du Club de Rome, mais enfin, tout nous indique aujourd'hui que nous allons dans un mur. Et donc la question pour nous, c'est de savoir comment on prend ce problème et qu'on le traite. Et je pense que c'est possible. Est-ce que je peux me permettre d'utiliser ce que Renault fait en ce moment, qui après tout n'est quand même pas banal, quand on va utiliser probablement un des sites les plus emblématiques du groupe, Flin, dans l'Île-de-France, pour en faire ce qui sera ici, à mon avis, 2 ou 3 ans maximum, la plus grosse usine européenne d'économie circulaire dans l'industrie automobile. Ah, mais ce n'est pas des mots, c'est déjà parti. Nous allons arriver avec cette usine à démontrer que notre industrie est capable de générer non seulement de la valeur, mais des emplois, permettre la croissance, le pouvoir d'achat, en étant complètement centré sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau assez respectable. Dans 2-3 ans, nous devrions être à un niveau de pourcentage de recyclabilité de nos produits, y compris des sujets qui parfois font controverse aujourd'hui, c'est-à-dire les batteries, que personne n'imagine aujourd'hui. Les travaux technologiques qui sont en cours pour assurer cette recyclabilité et cette réutilisation des ressources naturelles est quelque chose d'absolument phénoménal. On y consacre une énergie folle. Alors évidemment, on n'en parle pas tous les jours. Sauf que pour nous, imaginer la mobilité dans l'avenir, avec de toute façon la demande de mobilité qu'il y a, avec les technologies qui nous sont demandées aujourd'hui, qui ne sont quand même pas des plus immédiates, qui nécessitent des investissements énormes, ne seront possibles et crédibles et audibles que si en même temps on participe à ce que la planète peut accepter. Et là, je vous assure que pour le coup, je suis un grand fanatique de l'économie circulaire, j'ai même écrit pas mal de choses sur le sujet, je pense que chez Renault nous allons le faire, je pense que nous ne serons pas seuls. À ce prix-là,
parce que c'est un gros investissement. C'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de travail. Je pense que la croissance est nécessaire. La stratégie de Renault, et vous avez évoqué plusieurs mots qui ont la racine re, re comme renolution, mais re, c'est aussi réparation, c'est renaissance, c'est résilience, on l'a évoqué ce matin, après les ravages qui ont été causés par la Fergone. Alors, de résilience, on a beaucoup usé, même abusé, dans le langage commun depuis le début de la pandémie. Et j'ignore si on peut appliquer ce terme, ce processus de reconstruction à une entreprise. Mais à partir de quoi élabore-t-on le redéploiement d'une entreprise, la revitalisation du corps social, peut-être la réparation aussi du corps social? Comment fait-on? Je crois qu'on va être très simple entre nous. La seule façon que j'imagine que ceci sera en effet le cas, et ça sera certainement le cas très vite, c'est déjà bien en cours. C'est tout simplement d'appliquer sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, si je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut plus tricher, ben, il n'y a plus qu'à pas tricher, c'est tout. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la responsabilité d'un président, c'est de vérifier qu'en effet, la stratégie qui est mise en œuvre par les équipes, la direction générale, correspond parfaitement, y compris dans les termes que je viens d'évoquer autour de l'économie circulaire, etc. Correspond parfaitement, quels que soient les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver. Correspond à cette raison d'être. Sinon, ça n'a pas de sens. Ma responsabilité, c'est aussi de vérifier que toutes les équipes de l'intérieur du groupe, quel que soit l'endroit dans le monde, et c'est en cela que je réponds un peu à votre question, appliquent les mêmes principes que nous souhaitons développer dans nos groupes, notamment la question de la responsabilité des équipes. C'est un sujet en soi que je serais ravi d'évoquer. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'Alliance, et qu'une de mes responsabilités, il se trouve que c'est comme ça, je suis président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, c'est-à-dire que je préside les conseils opérationnels qui sont, je dirais, animés par les trois directeurs généraux et leurs adjoints immédiats de ces trois entreprises. C'est un travail culturel absolument fascinant, c'est un travail de fond, et où les mêmes principes doivent s'appliquer. Et mon rôle, c'est de m'assurer que c'est le cas. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité à cela. Il suffit d'être consistant, d'y croire et de le mettre en œuvre. Et puis, lorsqu'il s'agit de faire preuve de fermeté, ne pas tolérer d'écart par rapport à cette raison d'être, ne pas tolérer des dérives. Là, encore une fois, c'est une responsabilité forte. J'aimerais vous entendre sur l'entreprise que dessine la montée en puissance fulgurante du télétravail. Ce télétravail, c'est un défi multiple, un défi d'appartenance à l'entreprise, d'identité de l'entreprise, de culture d'entreprise, de reconnaissance par l'entreprise, un défi de collaboration, de créativité collective, un défi managérial et de cohésion sociale. Votre concurrence, Stellantis, a fait le choix très tôt d'adopter le travail non présentiel comme la norme. Et nombre de groupes, notamment américains aujourd'hui, interdisent tout retour sur site avant plusieurs mois. Dans ces conditions, comment fait-on vivre un corps social? Et comment voyez-vous l'entreprise dans 10 ans, justement, sur la foi de ce bouleversement, en plus extrêmement brutal? Oh, écoutez, je crois que les événements qu'on vient de vivre ont accéléré un peu l'histoire. Mais pour moi, je vais prendre les choses du côté positif. J'ai passé des années à inciter les équipes des entreprises dont j'avais la responsabilité à augmenter la présence par vidéo et par visio pour s'épargner des voyages, pour s'épargner de la fatigue, etc. Et honnêtement, j'ai eu pendant des années un succès d'estime. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai été un peu aidé par les circonstances. Et tout à fait entre nous, s'il n'y avait pas eu cette capacité technologique incroyable, on parlait d'innovation tout à l'heure, pardonnez-moi, mais franchement, je ne sais même pas si on serait là pour en parler aujourd'hui. Je ne sais pas comment on aurait fait. Sur la question que vous posez, personnellement, et j'en suis ravi parce que le groupe Renault là-dessus est totalement en phase, nous avons passé des accords avec les grands représentants des salariés, les organisations représentant des salariés tout récemment sur cette question de l'organisation du travail, à l'unanimité, disant que les équipes pourraient travailler à distance, mais qu'elles s'imposaient, si je puis dire, entre 2 et 3 jours de présence physique dans la semaine. C'est-à-dire, tout ça dans l'organisation, je dirais, classique du travail. Et donc nous avons
clairement pris le choix de la mesure. Moi, pour tout vous dire, ça me va très bien. Parce que j'ai quand même senti, après avoir passé presque une année, parfois nuit et jour, parce que figurez-vous que le Japon, ça se passe la nuit quand on est là. Donc moi, je suis assez habitué aux écrans digitaux à partir de 3h du matin, 4h du matin, jusqu'à tard le soir, puisque en Europe, etc. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai bien senti au bout d'un an que ça commençait à devenir insupportable. C'est-à-dire qu'on a réussi à maintenir cet équilibre. Oui, il y a même eu parfois une intensification des rapports. C'est même assez étonnant. Mais enfin, ce caractère humain qui vient tout simplement du fait que je suis devant vous dans cette salle et que vous pouvez réagir à mes propos et que je peux réagir aux vôtres, etc., c'est une valeur absolument inestimable. Jamais, jamais, je n'imaginais qu'on pouvait faire cela totalement de façon désincarnée. En plus, c'est dangereux parce qu'on a assez écrit sur ce sujet des risques sociaux et psychosociaux que nous pouvions probablement ne pas voir et qui se déroulaient dans le secret des écrans. Pour moi, ce n'est vraiment pas un chemin à suivre. Le facteur humain, il est là. La sociabilité des personnes, elle est fondamentale dans une entreprise. Il faut donc tout faire pour la maintenir, quitte à faciliter la vie des gens. Après tout, c'est vrai que le distanciel apporte beaucoup. Donc voilà où nous en sommes. Je vous dis exactement ce que nous venons d'ailleurs de traiter dans le groupe. Et je crois que tout le monde s'en porte très bien. J'ai noté d'ailleurs, parmi ceux du groupe qu'on n'avait pas vu depuis presque un an, une joie de se retrouver qui n'était pas feinte, simplement, pour vous dire, tiens, ça me fait plaisir de travailler, vous êtes là. Non, ça se sentait, voyez-vous, ça a des choses qui ne vous échappent pas. Donc je crois que nous allons aller dans ce sens, c'est une question, là aussi, de mettre l'humain au centre de tout. Si on commence à tuer l'humain, on n'en sortira pas. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, si la pandémie était arrivée en mars 2019, c'est-à-dire au moment, 2 mois après ma prise de fonction chez Renault et dans l'Alliance, je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui pour vous en parler. Parce que pendant un an, il m'a fallu tout faire pour apaiser Renault, pour apaiser l'Alliance. Imaginez-vous le nombre de voyages que j'ai à faire. Je ne m'en plains pas, mais vous n'imaginez pas ce qu'a été ma vie. Et que pendant cette période-là, si je n'avais pas pu parler, être proche des Japonais, proche de nos collaborateurs et de nos collègues sur place, capable d'être présent au conseil de Nissan, présent avec Mitsubishi, etc. Enfin, vous imaginez ce que ça a été. Comment voulez-vous que je sois aujourd'hui dans une situation où je serais en train de vous dire, ben, ça y est, les choses sont apaisées, ça va mieux, je vois le bout du tunnel, on est en train de repartir, et dès que les circonstances économiques dans le monde seront rétablies, vous verrez, Renault et l'Alliance vont connaître une vie économique et sociale fabuleuse. Je suis en train de vous le dire parce que je le crois. Mais si la pandémie était arrivée un an plus tôt, je n'aurais pas pu vous dire ça, et je ne serais certainement pas là aujourd'hui pour vous dire ce que je viens de vous dire. Donc voyez-vous, la question de la présence physique, la question de la discussion avec les personnes, le côté humain, mais juste absolument fondamental dans tout ce qui a pu être fait depuis 2 ans, mais bien sûr. Tout à l'heure, nous conclurons cette journée avec Catherine Destivelle et Thierry Frémaux qui vont nous parler de rêves. Vitesse et son des moteurs bridés, contraintes écologiques importantes, abaissement constant des limitations de vitesse, réduction drastique en ville des capacités de déplacement, normes de sécurité de plus en plus élevées, multiplication des radars et autres contrôles. Et puis une image qui n'est pas forcément très attrayante chez les jeunes. La voiture a-t-elle cessé de faire rêver? Et comment Renault s'adapte-t-il justement à ce changement très brutal de comportement? Là, vous parlez de rêve. Si vous me laissez tout à l'heure 2 minutes pour vous dire quel est mon rêve, je vous parlerai peut-être. Nous conclurons là-dessus avec joie. Mais sur ce sujet particulier, franchement, permettez-moi, enfin, je n'ai aucune langue de bois, j'ai horreur de ça, mais je pense sincèrement que l'automobile reste une part de rêve, y compris même chez les jeunes générations. J'en ai des exemples assez frappants très régulièrement, même si je sais très bien que le mode de fonctionnement de la mobilité va être différent. C'est pas pour ça et pour rien que Renault va consacrer d'ici quelques années pas loin de 30% de son activité à des activités qui sont liées à l'économie de la mobilité, non pas à l'automobile. Si nous pouvons dire aujourd'hui que nous étions une société automobile qui faisait de la technologie et que nous sommes en train de nous transformer en une société technologique qui, au passage, fera des automobiles, c'est précisément parce qu'on est en train de convertir complètement l'entreprise vers un modèle d'affaires très différent, qui est porté peut-être par les plus jeunes générations, mais pas seulement.
Après tout, surtout n'ayons pas en tête que la mobilité est finie. Il y a une demande de mobilité dans le monde absolument phénoménale. Il y a encore aujourd'hui énormément de monde dans les grands pays comme l'Inde, la Chine, l'Amérique latine et tout, qui n'ont pas accès à la mobilité, qui la réclament. Notre question pour nous, c'est de leur apporter la mobilité qui va bien. Et on ne va pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a encore une part de rêve. C'est évident. Et d'ailleurs, voyez-vous, on me dit, mais non, mais la voiture, il n'y a plus de plaisir du tout, c'est fini, etc. Mais je ne suis pas si sûr. D'ailleurs, allez, je me livrerai un peu de publicité. Lorsque vous allez tous conduire la nouvelle Mégane électrique qui va sortir de Douai, vous allez voir, je vous assure, vous allez être absolument enthousiasmés. Conduire cette voiture 100% électrique avec la technologie que nous avons aujourd'hui chez Renault, c'est juste une perle. En plus, elle est jolie, alors allez-y, n'hésitez pas. Vous verrez. Donc, je veux dire simplement que il faut arrêter de tirer sur ce qui va apporter une solution. Moi, vous savez, j'ai tellement entendu sur l'industrie automobile. Il se trouve que j'étais pendant très longtemps patron de Michelin. J'étais un peu branché sur l'automobile d'une certaine manière. Et puis, quand je suis devenu patron de Renault, j'en ai pris plein la tête. Plein la tête. On était devenu quasiment inaudible. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu un scandale en Allemagne. OK, d'accord. Mais l'amalgame a été immédiat. Je me suis retrouvé un jour dans une scène comme cela en Allemagne, à Berlin, par un grand journal allemand qui avait organisé une conférence. J'étais le représentant de l'industrie automobile. Je me suis retrouvé avec une jeune fille de 15 ans sur la scène qui a, pendant 5 minutes, tiré à vue sur tout ce que je représentais. J'en ai pris plein la tête, que j'étais responsable de quasiment de la mort de je ne sais pas combien de personnes et qu'elle-même avait peur quand elle allait à l'école de mourir à cause de la pollution que nous, grands patrons de l'automobile, nous n'avions pas été capables de couper. Vous n'imaginez pas ce que j'en ai pris. Le problème que j'avais ce jour-là, c'est quand elle a fini de dire cela, la moitié de la salle s'est levée et a applaudi à tout rompre. Je n'étais pas très à l'aise. Et là, la seule chose que j'ai pu lui dire, c'est deux choses. La première, c'est que si son agenda lui permettait, je l'inviterais volontiers à visiter le technocentre de Renault, y compris celui de Nissan au Japon, et pour lui faire comprendre ce que toutes ses équipes, depuis des années, faisaient pour améliorer le sort de l'environnement dans notre environnement général, social et national. Enfin, il faut comprendre, des entreprises comme Michelin et comme Renault, ça fait 130 ans qu'on y va, qu'on fonce. Simplement, l'investissement est colossal. La recherche est énorme. Enfin, il ne faut quand même pas totalement négliger. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, lui ayant dit cela, je lui dis qu'il y avait une chose que je n'accepterais pas, quitte à être totalement impopulaire. Je n'accepterais pas qu'on puisse dire que les 450 000 personnes de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi que j'ai l'honneur de présider se lèvent le matin pour détruire l'environnement. Ça, je ne l'accepterais pas. Voilà, c'est comme ça, et donc je vous le livre. C'est une manière de répondre à votre question. Alors, il est malheureusement l'heure de conclure. Avant que vous nous fassiez partager votre rêve, et j'ai une question, il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, vous étiez sur cette même scène, nous vous avions invité à débattre avec Laurent Berger, et avec le secrétaire général de la CFDT, nous publions ces jours-ci un livre qui a pour titre « Quelle société voulons-nous ? » Quelle société voulez-vous, Monsieur Sénard, et quelle société pensez-vous possible de bâtir ? Alors peut-être que ça fera 2 questions en une, parce que c'est une manière de répondre à l'autre, sur mon rêve. Je crois que nous sommes tous dans cette pièce, je dirais, dans le même état d'esprit. On a tous besoin d'une société totalement apaisée. Il faut quand même reconnaître les choses, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a de telles crispations dans tous les sens, de tels anathèmes qui sont jetés les uns aux autres. Je veux dire, nous ne sommes pas encore dans ces circonstances-là. Donc si je peux avoir un rêve, c'est qu'en effet, nous vivions une société beaucoup plus apaisée qui vivrait dans un contexte qui serait certainement celui du libéralisme qui nous a porté finalement depuis des générations, mais qui soit un libéralisme bien singulier qui génère ce capitalisme responsable dont j'ai parlé. Je crois que si nous réussissons ensemble, collectivement, apporter ce concept. Et pardonnez-moi, parce que l'occasion m'est donnée de vous dire que le sujet n'est pas français. Le sujet n'est pas pour Renault. Le sujet, il est bien au-delà. Il est politique, il est européen.
Et là, je vous livrerai ma conviction absolue et profonde. Je crois que c'est l'Europe qui doit porter ce concept. Parce que c'est en Europe que nous trouvons toutes les racines de ce capitalisme responsable. Enfin, je ne vous renvoie pas qu'au traité de Rome, avec cette fameuse économie sociale de marché dont on a tant parlé. Je renvoie aux racines profondes de l'Europe, avec cette dimension sociale que seuls les pays européens portent. Ce capitalisme responsable européen doit naître, et vite, parce que c'est la seule voie possible entre un capitalisme anglo-saxon qui est de nature différente et un capitalisme d'État, alors on va l'appeler chinois, dans lequel le capitalisme, dans sa forme la plus agressive, est utilisé pour servir des institutions qui ne sont pas démocratiques. Ce capitalisme responsable est fondamental parce que c'est lui qui, à la fin, va sauver notre démocratie. Et si j'ai un rêve, je le redirai, parce que c'est finalement notre raison d'être à tous, c'est de vivre libre dans une société démocratique portée précisément par les grands principes de ce capitalisme responsable. Je le résume, mais croyez-moi, ça dépasse largement cette pièce, ça dépasse largement Renault, ça dépasse la France, c'est un sujet européen et il y a urgence. Il y a urgence parce que je ne voudrais pas que dans quelques années, quelles que soient les opinions des uns et des autres, on se retrouve finalement un peu broyé sous une vague culturelle qui n'aurait pas été la nôtre. Nous avons une culture en Europe, une culture sociale de l'économie. Elle n'est pas excessive, elle est intelligente. Tâchons de la faire prospérer tous ensemble. C'est en tous les cas le vœu que j'ai et que je voudrais partager avec vous. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci beaucoup.